condo. Damn. J'aurais tout donné pour être là depuis que j'écris, j'espère toucher les gens comme font les stars depuis. J'ai mille feuilles en pile et mille toiles depuis que les mots nous permettent de fuir ce monde basique. Je ressens les planches comme l'essence des gens qui m'inspirent devant la chance que me donne le temps, qui m'inspire parce que vos sourires valent plus que tout. Et si le temps passe, j'aimerais qu'il s'arrête. Y a beaucoup de gens que j'ai croisés dans mon aventure musicale et dans ma vie. Et c'était l'idée, voilà, c'est à chaque fois que je crée un morceau, j'ai quelqu'un à qui je pense en fait. Et je pense que sur le morceau Pardonnez-moi, c'est le morceau sur lequel Ekou intervient, c'est-à-dire le seul MC qui est sur mon album. C'est un morceau où je me disais, voilà, je savais que c'était lui qui allait pouvoir justement bien synthétiser la pensée de ce morceau-là. Et ce qui est mortel, c'est que c'est deux approches aussi du rap qui sont différentes. Et pour moi, elles sont totalement complémentaires. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir opposer des écoles et des styles. Moi, ce que je pense, c'est que chacun justement a une vision personnelle de ce que peut être le rap. Et il en existe vraiment plein de formes différentes, il y a plein de styles différents. Et c'est puissant justement de pouvoir dire, bah, au sein d'un même morceau, on peut faire cohabiter des gens qui ont des styles différents, qui ont une vision et une approche du texte aussi différente. Bah déjà je les en remercie parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir de la gratitude dans un milieu où la plupart des gens ont tendance à être amnésiques quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cogné à ma porte et ma porte elle a toujours été ouverte pour pas mal de personnes. J'ai pas envie de les citer, je me dis le jour où ils auront l'envie en tout cas de dire que j'ai participé à leur histoire, moi je serais très content en tout cas. Et ouais, il y a pas mal de gens comme ça à qui j'ai filé des coups de main, mais ça me faisait plaisir de le faire, donc je suis pas du tout amer. Mais le fait de croiser tout ça, quoi. Aujourd'hui, quand justement je vois tout ce que j'ai pu faire, bah voilà, ça me rassure, ça me fait du bien. J'attends absolument rien. Moi, mon rôle, c'est de créer de la musique, c'est de fabriquer des atmosphères. C'est de créer des histoires, donner ce que je sais faire et ce que je ressens aux gens. Après, c'est des gens qui en font quelque chose. Il y a des gens que ça touchera, d'autres ça touchera pas. Ce que je sais, c'est que si t'aimes vraiment le flow et le phrasé, etc., écoute mes acapellas, tu vois. Écoute ce que je peux faire derrière un micro. Parce que vraiment, c'est un disque dans lequel il y a vraiment une approche très large de ce que peut être la rap. Après, si t'aimes pas le rap, bah, j'ai essayé de faire avant tout des belles chansons. Donc en gros, raconter des belles histoires, mettre de l'âme dans ce que j'ai créé. Et pour ceux qui aiment la musique, justement, j'ai essayé de faire un disque dans lequel tu te balades, quoi. En gros, à chaque fois que je fais un album, j'essaie de me fabriquer l'album que j'ai envie d'écouter. Et c'est tout ce que je peux faire. Une fois que je l'ai fait, je donne au public et il m'appartient plus. Alors, j'ai donné une définition de la chanson. Une chanson, c'est très simple. C'est une introduction, un couplet, un refrain, un couplet, peut-être un pont, un refrain, et une sortie de morceau, quoi. C'est ça, pour moi, une chanson. Ce n'est que ça. C'est-à-dire que, et avec ça, tu fabriques une histoire. L'ensemble, ça crée une chanson. C'est que ça que j'entends quand je parle du mot chanson. Et ce qui est intéressant dans une chanson, c'est qu'à la fin, quand t'es auditeur, tu pars avec quelque chose. Tu pars avec... voilà, cette petite histoire qui te reste un petit peu en toi, un peu de poésie. Parfois, c'est juste un refrain, mais ça t'a résumé complètement ce que t'as ressenti. C'est que ça, pour moi, une chanson. Cette âme de chanteur, elle existe en chacun de nous. On aura beau me dire, mais si tu montes sur une scène, c'est parce qu'à un moment, t'as envie d'être un chanteur, même si tu rappes, quoi. Et donc, on l'a tous, et peut-être que... Il faut arrêter de se brider. Je pense qu'on est dans une époque où tout est métis et tout est métissé, tout est mixé. Et que pour moi, l'avenir, il va être dans ces personnes qui vont dire ben, nous, on s'en fout, on casse tout, on veut juste être nous-mêmes et faire les choses comme on le ressent. Tant mieux qu'il y ait une soirée spéciale rap sur France 2, il était temps. Mais de l'autre côté, je trouve ça super surprenant qu'il faille qu'elle soit spéciale. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment à l'image des médias. Le hip-hop nourrit plein de cultures. C'est-à-dire, autant c'est une musique qui cite les autres musiques, autant c'est une musique qui a permis à des styles de revivre alors qu'ils étaient sur le point de mourir. Je pense à la soul, au jazz,
franchement, le rap a fait beaucoup pour ces musiques-là. Même des artistes comme Émilie Loiseau, etc. T'entends dans le phrasé que bah, le rap est passé par là, tu vois ce que je veux dire? Alors tu vois qu'on apporte, on apporte, on apporte, mais à chaque fois, il faut toujours que, bah, comme c'est la musique des franges de la population qui sont souvent mis à l'écart, notamment dans les médias, ben, on se comporte encore une fois comme ça, quoi. Moi, ça me pose un problème, toujours. Je le dis super bien, j'en pense pas grand-chose, parce que... Voilà, faut que pour penser quelque chose d'un événement comme ça, faut être touché. Moi, ça me touche pas, en fait, parce que j'écoutais pas cette radio-là. Après, comme je disais toujours, c'est que... Il faut se battre pour ce en quoi on croit. Donc, s'il y a des jeunes qui croient en ça, en cette radio-là, bah, ils ont raison de se battre pour... Moi, en tout cas, je me battrai pas pour. Attachez-moi avant qu'émotion m'agrippe, empêchez ma plume d'être lourde sur le bruit qui m'anime, empêchez mes rimes de...